Vous êtes végétarienne? Non. Non. Pas, je suis, comment on appelle ça, entre les deux. On voit votre réfrigérateur. On sait d'abord que ce sont des produits, vous faites très attention aux produits. Vous dites AMAP, là, c'est, vous êtes adhérente, c'est ça? Vous faites venir des produits de la ferme, d'un producteur? C'est des paniers, non, mais les Parisiens, il faut qu'ils fassent très très attention parce que j'ai entendu un agriculteur l'autre jour sur le marché qui fait de l'agriculture raisonnée, qui n'est pas vraiment bio. Il y a un maraîcher à 30 km de Paris. Il n'y a plus de maraîchers. On a tout enlevé tous les maraîchers pour faire du blé, enfin des céréaliers. Et c'est très grave. C'est très grave. Donc il faut. Enfin, les petits actes militants qu'on peut faire, c'est ça. C'est les AMAP, aller chez les producteurs du coin. Si vous étiez ministre de l'écologie, quelle serait votre première mesure? Une grande mesure là, à prendre. Allez, on y va. Non, je ne sais pas. Bah, on arrête Fessenheim. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous êtes contre le nucléaire? En tout cas, qu'on enlève maintenant qu'il y est, qu'on se dépêche pour passer à d'autres énergies, évidemment. Les initiatives comme Paris sans voiture, c'est une bonne chose? Vous y êtes favorable? Moi, oui, mais je ne pense pas que les banlieusards... On n'a pas fait assez attention, je trouve, aux banlieusards qui sont obligés de venir en voiture, certains, parce que les transports en commun ne sont pas... Ou alors des grands parkings gratuits près des portes de Paris. Ça, c'est le minimum qu'on pourrait faire. Vous êtes venu par quel moyen de transport ici, sur ce plateau dans Là, on part taxi. Et voilà. Bah, non, mais moi, je suis métro, bus, Vélib, tout ça. Ah oui. On parlait un tout petit peu de politique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des primaires, à droite, à gauche? Vous pensez que c'est une bonne chose? Que les candidats passent par une primaire? Je pense, oui. Mais c'est une avancée ou pas? Oui, les hommes politiques et les femmes politiques, moi je serais plutôt pour des gens qui n'aient que un ou deux mandats. Alors je sais bien que c'est en même temps, il faut avoir un peu de connaissances du terrain, etc. Enfin, ils me font peur. Je trouve que c'est une nouvelle royauté, quoi. C'est de la démocratie et c'est difficile, hein. Quand vous voyez Robert De Niro aux États-Unis qui s'engage sur Internet contre Donald Trump, vous, en tant qu'artiste, en tant que comédienne, vous pourriez faire la même chose. On l'entend, il invective complètement Trump, il le traite de minable, de chien, de porc. Enfin, il va très très loin. Je l'ai pas entendu. J'ai su qu'il avait fait ça. C'est bien. Moi, je trouve que c'est très très bien. Ouais. Je sais pas, la manière, la forme, je sais pas si c'était bien, mais. Ouais, c'est face caméra, on le voit là, et puis il balance. Il a raison. Il a raison aussi, c'est un homme extrêmement dangereux. Et vous pourriez le faire en France si vous ressentiez un danger? Bien sûr. Fanny Cottenceau, vous êtes actuellement sur scène. C'est un plaisir ou pas? On jubile ou pas? Ah oui, il y a des soirs, oui, mais c'est le théâtre vivant, donc il y a des soirs où on jubile, il y a des soirs où on jubile moins, mais le travail est là, donc c'est toujours le même spectacle qu'on voit, mais oui. C'est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Les petits crimes conjugaux, qui se joue donc au théâtre Rive Gauche, une mise en scène signée Jean-Luc Moreau. Comment, avec Sam Karman, votre partenaire, vous êtes deux hein, sur scène, comment on fait du neuf avec une pièce qui a déjà vécu? Qui a déjà eu plusieurs mises en scène. Elle a été jouée une fois il y a 15 ans. Moi, je ne l'ai pas vue. Hein, quand elle C'était avec Charlotte Rampling. Avec Charlotte Rampling et Bernard Giraudot. Un tout petit extrait. Ah, je n'ai jamais vu. Êtes-vous du genre à coucher le premier soir? À votre avis? Moi, je suis du genre à coucher le premier soir. Je crois que ça avait très, très bien marché, même je suis sûre. C'était au théâtre Édouard VII. Vous préférez ne pas voir avant de vous lancer dans une nouvelle aventure? Je ne savais même pas qu'il y avait des images, alors je n'ai pas été curieuse, faut dire. Donc vous êtes complètement fraîche? Oui, oui. Bon, il vaut mieux quand même. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire de couple? Qui est universelle, hein, qui pourrait être universelle, l'histoire. Tout à fait. Alors, à part le film de Bergman... sur les scènes de la vie conjugale, il y a très peu de pièces de théâtre ou qui parlent du couple qui dure. Il y a beaucoup de démarrages de couple, Roméo et Juliette, ou de fins de couple, ou d'histoires d'amants et de maîtresses et tout ça.
mais de savoir comment un couple peut durer effectivement après les 6 mois, 1 an, 2 ans d'amour fou, de quelle manière il peut durer, ça, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, je trouve qu'il en parle très bien, Eric Emmanuel Schmitt, dans sa pièce. Gilles, c'est votre partenaire, donc il est victime d'un mystérieux accident, il est amnésique, il est complètement étranger à lui-même, il revient chez lui, auprès de Lisa, donc vous, sa femme, depuis 15 ans. Et à partir de ce que vous lui racontez, il tente de recomposer, en fait, son existence. Mais il y a peut-être mensonge, qui sait. Vous avez beaucoup menti aux hommes de votre vie? Question piège. Quand j'avais 20 ans, oui, mais maintenant, non. Non, non. Non, c'est fini, ça. Oui. Pensez-vous d'ailleurs que le couple, après comme ça, 15 années de vie commune, c'est une association d'assassins. C'est dans le livre, hein, et vous le dites d'ailleurs sur scène. Oui, c'est le livre qu'a écrit donc, mon conjoint, Gilles. Sam, alias Sam Carman, et qui l'a fait beaucoup souffrir parce qu'elle, elle ne voit pas du tout le couple comme ça. C'est une amoureuse. Quelle est la réplique que vous préférez? La réplique que je préfère. Là, vous me prenez au dépourvu parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup. Dans la tirade, vous savez, la tirade sur l'amour. Et ben voilà, elle ne me vient pas. On va regarder la bande-annonce et ça va vous revenir. Étrange, j'ai l'impression d'être un nouveau-né adulte. Gilles, je suis ta femme. Alors raconte-moi, aide-moi à me retrouver. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ces tableaux? Du bien. Ils sont de toi? De moi? Oui. En plus d'écrire, je sais peindre. Il faut croire. Décidément, je découvre que je suis un type formidable. Vous avez connu, vous, des longues histoires d'amour? Oui. 21. Je suis toujours. Ah, toujours? Oui. Ah oui. Et donc, ça se construit? Oui, ça se construit, parce qu'il y a eu, évidemment, des moments où on a fait se séparer. Et on est toujours ensemble. Et même dans les moments difficiles, je pensais, quand il y a du sentiment, tout va bien. Le sentiment, c'est important. Dans la pièce, Lisa est persuadée que son mari la trompe. Selon cette théorie, elle dit « Un homme prend une maîtresse pour rester avec son épouse, tandis qu'une femme prend un amant pour quitter son mari. » C'est bien connu. Vous en pensez quoi, ça? Moi, c'est débile. Ça, c'est la théorie de mon mari, de Gilles, et peut-être d'Eric Emmanuel Schmitt. Oui. Entre Lisa et Gilles, les règlements de compte, ils pleuvent, et on s'interroge aussi sur l'épilogue. Est-ce qu'ils vont se séparer ou pas? En fait, c'est ça. C'est qu'à la fin, on est plein de doutes. À votre avis. Ayant vu la pièce, je sais. Mais c'est une interrogation assez cruelle parce que là, parce que moi qui ai regardé le texte, page 97, oui. Je suis assez surprise de cette cruauté de la part de l'auteur. Hommes et femmes ne restent ensemble que par ce qu'ils ont de plus bas, de plus vil et de plus laid en eux. L'intérêt... L'angoisse du changement, la peur de vieillir, la crainte de la solitude. Ils s'engourdissent, ils s'amenuisent, ils abandonnent l'idée qu'ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Ils ne se tiennent la main que pour ne pas marcher seuls vers le cimetière, l'horreur. C'est terrible. Terrible. C'est terrible. Et ça, c'est vrai que mon personnage ne supporte pas la vision du couple comme ça, parce qu'elle elle a une vision du couple beaucoup plus romantique, ouais. Et de femme passionnée. Alors, de femmes passionnées et d'hommes passionnés, je voudrais que vous lisiez cette lettre. Et vous me direz, s'il vous plaît, et peut-être que les téléspectateurs vont chercher, qui en est l'auteur. C'est une vague de fond, mon amour. Elle nous emporte, elle nous sépare. Je crie, tu m'entends au travers du fracas, tu m'aimes. Je suis désespérément à toi, mais déjà tu ne me vois plus, je ne sais plus où tu es. Tout le malheur du monde est en moi, il faudrait mourir, mais la mer fait de nous ce qu'elle veut. Oh, mon amour de vie profonde, j'ai pu mesurer un certain ordre des souffrances. Ce sera peut-être le seul mot tranquille de cette lettre. Je t'aimerai jusqu'à la fin de moi. Et si tu as raison de croire en Dieu, jusqu'à la fin des temps. 3 juillet 1970. 10. Vous avez trouvé ou pas? Non.
C'est la lettre de, une des lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot. Ah, d'accord. Ouais, c'est beau, hein? Super beau. Vous avez reçu souvent des lettres d'amour? J'en ai reçu, oui. Bien sûr. J'adore, je les ai gardées. Vous aussi? Moi aussi. Vous les publierez un jour? Non. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que Anne Pinjot ait accepté de publier ces nombreuses lettres, cette correspondance? Nos comètes. Ah ouais. Vous n'avez pas d'idée là-dessus? Moi, je pense que des lettres d'amour, ça doit rester secret. Ou alors, on s'appelle grand auteur. Bon, il écrit très bien, hein. C'est très beau, mais... Bon, qu'on garde des correspondances, qu'il y aura de moins en moins d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de correspondances, il n'y a que des SMS. Mais... Bon, je pense qu'il... Je mets la barre un peu plus haut au niveau écriture. Mais je reconnais que c'est très beau. Hein. Mm-hmm.